Après l'engouement Persona 3 en 2008, c'est au tour de son quatrième épisode de venir sortir nos PS2 de leur chômage technique. Cette fois-ci, préparez-vous à passer de l'autre côté du petit écran pour affronter les démons qui ont envahi nos programmes télé. Et si Michel Drucker venait d'ailleurs ? Persona 4 n'est pas un RPG comme les autres. Entre dungeon RPG bien salé et simulation de vie étudiante, il impose deux vitesses parfaitement complémentaires aux joueurs. D'un côté, on est amené à améliorer et fusionner ses personas pour combattre les démons de la Midnight Channel. De l'autre, on va dégoter des petits boulots pour payer son équipement, apprendre à connaître ses amis et pourquoi pas draguer la nana de ses rêves. Et même si l'ambiance semble colorée et légère, les thèmes sont parfois sordides, comme seule la série Persona sait le faire. Si vous avez été déçu par les RPG next-gen sortis jusqu'à maintenant sur 360 et PS3, c'est l'occasion ou jamais de ressortir votre PS2 de sa léthargie. Persona 4 signe à coup sûr son tout dernier hit.